VIP avec moi. Petit chaval, c'est à l'homme, c'est que c'est le dragon dans le petit. Donc je me parle fort, ton va bien, à ce qu'elle fait, on voit pas bien, vas-y rajoute le son, on n'écoute pas bien, à ce qu'elle fille qui est dans le pamphlet, tu connais que c'est comme un tour, mais c'est le son de ton va dire, my goal, la vie, c'est la vie. Donc, quand gardien ta vie avec toi, elle revient au cortège avec toi. Hey God, tu es mon œil. Mon œil. Hey God, tu as peur de moi. Tu as peur de moi. Donc, quand j'arrive, je fais la manœuvre. Quel look à toi, un panda. Un temps, c'est le nez sur 10. Donc je me parle fort, ton va bien. À ce qu'elle fait, on voit pas bien. Vas-y, rajoute le temps, on n'écoute pas bien. À ce qu'elle fait, qui est dans le pamphlet. Tu connais que c'est un grand matin. C'est le tour de ton matin. La nix, la nix. On partage ça, parce que comment je vous dis, je ne suis pas là. Donc, quand gardien t'a dit avec toi, elle revient au cortège avec moi. Oh, la veste mystique! Pitié de mon ex! Mon ex! Hey, tu as perdu à 10 sur 10. La veste, oh, la veste de la gloire! La manœuvre, elle ou quatre, elle wanda, elle tente le 10 sur 10. Eh, Seigneur, la bête là, moi. La bête là. Aïe, 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 aïe. La viande de mon travail. Bon, partage vite le live, je vais pas durer ici. Parce que de base, je voulais même pas faire le live là. Depuis que je suis onctionné de la sagesse de Salomon. J'ai décidé de ne plus rentrer n'importe où, n'importe comment. Heureusement que même la sagesse de Salomon m'a délivré de tout ce désordre. Parce que si je n'étais pas onctionné de cette sagesse, j'allais taper poteau sérieusement. Et raison pour laquelle j'ai porté ma veste. La veste là, et ça. C'est ça qui avait ton mali, mon gros. La chaise là, ça. La chaise là, pour ça là, avec la veste là, ça c'est les deux trucs, on va mettre au musée du Louvre, comme Mona Lisa, la veste là, et la chaise mythique là, tous les Gabonais le savent, on n'a plus rien à prouver dans tout ce qui va avec là. Bon maintenant, j'ai vu un commentaire là. Après, tu vas aller te reposer en Somalie. Tu vas aller te reposer en Somalie parce que même en 2024, je deviens méchant. On atteint d'abord les 1000 personnes. On atteint les 1000 personnes connectées et on partage massivement. Je vais pas durer. Hein. Le live là ne va même pas durer 20 minutes parce que j'ai des choses à faire aujourd'hui là. Ça va pas durer 20 minutes. Quand j'ai porté la veste de Mona Lisa. Ça là, faut pas. C'est la Joconde. Ça, c'est la veste du Louvre. Voilà, on est à 1000. On était posé. Tranquillement, l'histoire du cabane est sortie. C'est sorti. On a commencé à s'embrouiller sur la toile.
Je vous avais averti que derrière l'histoire du Kabana, il y avait une autre grosse histoire. En même temps aussi, ils doivent même appeler même Balokon le prophète. Parce qu'il n'y a que la Balokon gang qui gère tous les médias. Tous les médias, on gère tous les médias. Vous avez averti que oui, derrière, vous voyez, même vous, dans le Congo, ça, vous avez vous êtes dans les années lumière. Les années lumière. Quand j'ai eu à poster ça ici, en disant que derrière l'histoire du Kabanala, il y a encore d'autres oui. À des allées lumière. Ils étaient perdus. Le grand là raconte quoi? En tout cas, c'était une prophétie. Qui est, Seigneur? Bon, dorénavant, c'est officiel en 2024, il n'y a plus de débat. Hein. Si vous n'avez pas l'information ici, c'est que vous n'avez rien. Vous n'avez pas l'information sur la base de Kongen. C'est nous qui contrôlons le quatrième pouvoir. On fait du pouvoir là ce qu'on veut. Bon. Vous avez vu comment j'ai eu à mettre, parce que les gens se demandent. Donc, comment tu posais toujours dans mon Fiat Tangana? Ouais, Balokon, chef, c'est toi qui as eu à publier la vidéo. Oh, Seigneur. Oh non. Vous connaissez, hein? Si je voulais publier quelque chose, hein, rien à foutre. Je viens, je dis, j'ai publié. J'ai pas eu peur d'Ali Bongo, j'ai pas eu peur d'A. C'est pas une vidéo que je. Je vais dire, non, je publie. Mais cette vidéo, je l'avais depuis. Mais si j'étais encore le Balokon d'avant, avant d'avoir la grâce balokonienne à la sagesse de Salomon, Balokon Salomon, écrivez Balokon Salomon, j'allais tomber dans le piège. Parce que derrière cette histoire, il y a encore une grosse histoire. Donc, toutes les pages-là, venez encore vous asseoir ici et après allez développer dans vos pages. Parce que vous n'êtes rien. Donc, venez d'abord apprendre d'abord comment la Balokon gagne, les maîtres de la chose, vous développent. On va vous donner de la rédaction. Vous êtes derrière et après. Dorénavant, un sujet de la Balokon gagne. Vous ne citez pas la source. Parce que vous êtes là, vous ne foutez rien. Vous prenez les choses, vous allez partager sans citer la source. Je vais commencer à porter plainte pour propriété intellectuelle. Parce que ce n'est pas moi, je ne suis pas là. Vous cherchez les ouais et après, vous allez nourrir vos pages sans nourrir la source. Voilà. On est posé comme ça là. Maintenant là, ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, vous allez mettre dans vos pages. Mais si vous ne citez pas mon nom, d'après, je vais envoyer la Balokon gang, signalez vos pages. C'est très dangereux. Bon, j'ai eu à voir la vidéo de Boupenza Cavani. Boupenza Cavani. Boupenza, il a un côté italien ou uruguayen. Boupenza Cavani. J'ai eu à voir la vidéo là depuis. Comment j'ai eu à voir la vidéo? Ça va être démontré tout à l'heure. Posez les cœurs. Mais quand cette vidéo m'est arrivée, j'ai regardé. J'ai dit, ah, Balokon chef, si je n'avais pas Salomon, tu vas faire quoi de cette vidéo? Vas-tu la diffuser sur X vidéo, sur Pornhub, sur Blackcock, sur Ips Amster, sur HQBut, sur Black Chinese, sur Ebony TV? Je me suis mis comme ça, j'ai dit, ah, cette vidéo... Où on voit le lapement des lapements. Je suis en position pour ça, Balokon chef. Heureusement que Salomon. L'esprit de Salomon dit Balokon chef, calme-toi. Il y a eu le problème des G. Ça, je vais vous dire ça. Cache. Il y a eu le problème des G. Et vous-même, vous savez, la balokonisation tempête que Boupenza a eu à voir ici, là. Avec toutes les histoires de Bakapelo, Pianga, des machins. Balokonisation tempête. Mon petit EJ, c'est mon petit frère, l'enfant de Sylvia Bongo, avec l'oiseau rare et Bolo Kobachin, ils ont fait leur poster là-bas. Malgré ça, c'est mon petit. J'ai eu la vidéo, parce qu'après, je vais vous démontrer, hein, je ne parle pas qu'avec la bouche, je parle toujours avec des preuves. Mais écoutez d'abord le récit, c'est l'APC. Affirmation, preuve, commentaire. J'étais tranquille, je vois AJ en mode Hulk. Il allait bousiller la pauvre maison. Le premier réflexe que j'ai, c'est de sortir, parce que quel que soit Alpha, en tant que grand, il faut protéger, parce que le geste d'AJ, bousiller la maison d'autrui, je ne considère pas ça. Mais je me suis dit, c'est la nouvelle année, le petit va se retrouver en gata, comme ça là, bêtement. C'est là où
La vidéo là, la sorcière là m'avait déjà envoyé ça pour que je publie. C'est là où j'ai mis la tête. Juste pour dire à Boupenza que derrière, si la vidéo là fuit, c'est pas tôt. Parce qu'aujourd'hui, oui, si aujourd'hui, je n'avais pas mis en tête de la vidéo là, si, parce que et je devais monter, hein, ou pas ça cache, hein, et je devais monter. Si je n'avais pas fait ça là, si je n'avais pas parlé à Boupenza, en mettant même ça au bout là, et j'ai monté, la vidéo là sortait, Boupenza se retrouvait dans les problèmes. Essayez un peu de voir la chose. Ça dit, hé, libère le petit EJ et le reste de la chose, on va voir ça clair. EJ libéré, maintenant je vais vous démontrer maintenant par A plus B, le vampire qui se passe derrière l'histoire en question. C'est très grave, hein? Et là, ça va interpeller tous les footballeurs, la manière dont vous mitez les gars là. Faut faire très attention. Faut faire très attention. La manière dont vous partez bite les gars là. Faut faire très attention à les petits là. Bon, on va mettre le cinéma. Je vais parler, c'est pas ici là que je vais mettre la vidéo où on baise. Hein? Si tu n'as pas la vidéo, tu as déposé ici là, c'est pas le site porno que je vais mettre la vidéo, ma page va sauter. Donc, si tu n'as pas la vidéo, va chercher la vidéo. Je vais te montrer le déroulé et te montrer ce qui est grave derrière cette vidéo. Parce que c'est très dangereux ce qui va suivre derrière là. Il n'y a pas que la vidéo, il y avait toute une machination, toute une conspiration afin de descendre Boupenza. Et moi, même si Boupenza c'est un con, même si Boupenza est un poli, mais moi je suis contre l'injustice. J'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur de ça. Et maintenant, je vais mettre les preuves devant vous et vous allez analyser. Maintenant, si tu as la vidéo où on bug, tu vas regarder dans les sites porno. Je dis bien. Tu vas regarder dans les sites porno. Si tu n'as rien à faire dans ta vie, que je vais venir mettre ma page en danger, parce que tu vas venir te masturber sur ma page, parce que tu vas venir taper le savon sur ma page, va regarder ce porno, foiré. Mets la vidéo ici, là. L'arme aussi est là, bah, le con. Mets la vidéo ici, là. Chien vert. Tu ne baisses pas, c'est là que tu vas te masturber. Et dans la vidéo, là, vous pensez ça. Suce bien le con. Il suce ton con, il suce ton cul. Il suce très bien. Très bien. Il faut aller prendre les coins avec vous pensez ça. Il va vous apprendre à caver. Toutes les filles là sont maintenant en train de regarder Boupenza. Toutes les filles là, tu vas regarder, tu ne caves pas, tu es en train de parler. Donc tous nos téléphones là, il y a les nuls dedans. Donc arrêtez d'embêter les gens. Arrêtez un peu d'embêter les gens. Tu parles. Enfin, regarde la vidéo, tu vas voir le tuto de la cave. Il manque Boupenza. Il te manque de mettre la pâte d'arachide. Il te manque de mettre la crème chantilly. Il te manque d'ajouter le miel. C'est les seules choses qui te manquaient là. Parce que toutes les filles là confirment. Tu suces bien le con. Tu suces bien le con. Arrêtez de fatiguer les gens. Maintenant, on va aller dans le nerf de la guerre. On va aller dans le nerf de la guerre. On va te poser. Oh, la famille, s'il vous plaît, lâche en live là. Doucement, lâche en live là, s'il vous plaît. On va aller dans le nerf de la guerre. Ajouter à la scène. Bon, on va supprimer d'abord ici. Parce que faut que je fasse très attention. Ben, publier comme ça mes choses. Je peux publier mes choses comme ça, comme la blague. C'est mes choses qui se retrouvent là affichées. Mes choses qui se retrouvent affichées. Et les pains, et il y a les bons pains comme ça là, Seigneur, les pains de la gloire. Les pains de la gloire. C'est là où maintenant l'APC commence. Affirmation, preuve, commentaire. Dans la vidéo, je vais mettre ça en grand. Je vais mettre ça en grand, ne vous inquiétez pas, je vais mettre ça en grand. Quand je mets en grand comme ça là, est-ce que vous voyez ça bien en grand? Parce que je vais diminuer. Est-ce que d'abord, je diminue le mot de plein écran? Quand je mets ça en plein écran, est-ce que vous voyez ça en plein écran? Écrivez d'abord oui, oui. Parce que là, il faut que je développe. Non, j'ai mis en... Attends, quand je mets en plein écran, on ne voit pas. Quand je mets comme ça, là, je suis en plein écran. Vous voyez, c'est en plein écran devant vous là. Comment vous ne le voyez pas? C'est en plein écran là devant vous. Est-ce que quand je suis comme ça là, parce que j'ai encore réduit pour lire les commentaires, parce que quand je suis en plein écran, je ne vois pas les commentaires. Est-ce que vous voyez le plein écran? Mettez juste oui, oui en commentaire, oui ou non? Oui, oui, on me dit oui, non, oui, oui, on voit. Bon, ça va se passer en plein écran. Non, oui, tu vas lire et après tu vas mettre les lunettes. Voilà, on voit. Là, je ne vois pas en plein écran
Et je vais plus voir les commentaires parce que quand c'est en plein écran, je vais développer. Je vais développer. Allez, on est en plein écran. Bon, dans le plein écran, Damien, Maïfa, je suis en live là. Donc, en plein écran, quand on est en plein écran là, vous voyez un nom qui est écrit là. C'est Joanie. C'est Joanie suivi du diamant suivi de 100%. Suivi de ici là, on voit petit démon. Petit démon qui est là, qui est posé là. Petit démon est là devant nous. Petit démon. Ah, Joanie là, c'est la voix de Boupenza. Hein? Joanie là est posée comme ça, c'est la voix de Boupenza. Mais il y a un problème. Joanie, au niveau d'ici, c'est écrit Jojo Elbev. Jojo Elbev. Jojo Elbev. C'est souligné devant vous là. Jojo Elbev. Ah, et c'est Joanie là, signé Jojo Elbev, qui a eu à m'envoyer la vidéo, qui a eu à envoyer la vidéo aux joueurs de l'équipe nationale. Parce qu'il y a les joueurs de l'équipe nationale qui ont cette vidéo, qui a eu à envoyer toute la vidéo là sur Snap. Joanie, c'est le nom de la copine de Boupenza. Mais ce n'est pas elle qui est sur la vidéo. Hein. Donc, ce n'est pas la peine d'aller écrire. Ce n'est pas elle qui est sur la vidéo. Déjà, voilà le vrai compte de Joanie. On avance. Voilà. Voilà Joanie, la vraie. Joanie, la vraie. C'est elle qui est là. Ça, c'est Joanie, la vraie. Et c'est qui, quoi? Joanie-EB. Elle a 13 000 followers. Ça, c'est la vraie Joanie. Ça, la personne qui a eu envoyé les vidéos, c'est Joanie avec Jojo Elbev. C'est elle qui a eu envoyé les vidéos à tout le monde sur Snap. Toutes les personnes qui ont les vidéos là sur Snap, ça passe par là. C'est elle, Joanie. Elle a pris quoi? Le vice. Cette Joanie en question. Je mets d'abord, je diminue le plein écran. Cette Joanie en question, qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Elle a eu à prendre l'identité de Joanie, qui est la vraie, elle est à Paris, Joanie à Paris, là, qui est la vraie copine de Boupenza. Elle a eu à créer un compte, elle a eu à contacter, je vais taire les noms des joueurs. Elle a eu à contacter plusieurs joueurs de l'équipe nationale. Elle a eu à me contacter, moi. Elle a, en fait, c'est un mouvement où la personne, pour nuire à Boupenza, a eu à envoyer la vidéo là à tout le monde. Bien avant que la vidéo là ne soit sur les réseaux, plusieurs personnes avaient déjà la vidéo là, dont moi et certains joueurs de l'équipe nationale et certaines connaissances de Boupenza. Ils avaient déjà la vidéo là. C'est Joanie là en question qui a pris. Maintenant, il faut aller très loin. Qu'est-ce que Joanie là voulait faire? On remet le plein écran. On remet le plein écran. On remet le plein écran. Joanie Elbev, celle-là, celle qui a envoyé tous les voix à tout le monde, qui veut détruire, parce qu'elle veut détruire la douleur. Elle veut détruire Joanie, la petite sirène. Regardez, oh, Boupenza, tu manges bien, mon petit. Regardez la petite sirène, là. Joanie qui est là posée, Joanie EB. Là, c'est le vrai compte de Joanie. L'autre compte, là, c'est le fake. Voilà la chérie de Boupenza. Mon petit, tu manges bien. Tu manges bien, mon petit. Ça, c'est les trucs bien top, top. Ça, c'est la vraie Joanie. Pas l'autre qui envoie les machins. C'est Joanie-EB. Ce n'est pas la peine de l'écrire. Elle ne va pas vous ajouter. Ne vous fatiguez pas. Elle ne va pas vous ajouter là-bas. Ce n'est même pas la peine de vous fatiguer, en fait. On va avancer. Qu'est-ce que la Joanie l'a fait? Vous voyez ça? Ça, c'est un faux test de VIH. Parce que l'histoire, là, quand c'est venu me trouver, on va mettre le message même qui est devant. Hein, et on va lire ensemble. Parce que vous montrez le vice hein, du problème. Voilà Joanie, la fausse. Hein. Joanie, la fausse. Et vous voyez bien le test qui est là devant vous. Joanie, la fausse. Elle écrit quoi? Hey, Salem, Aaron m'a violé. Je vais aller le dire à son club. Sa carrière va être finie. Qu'est-ce que Joanie en question fait? Elle envoie un test de VIH. Il dit, il m'a donné le sida, ce fils de pute. Dis-lui que je vais dire à tout le monde, voilà, il sera viré de son club. Et regardez bien, ça c'est Joanie la fausse. Joanie la fausse, c'est comme ça que ça arrive. Quand le truc m'arrive, moi, le truc du VIH, là,
J'ai dit, envoie-moi l'intégralité, je veux voir ton nom. Elle s'est sans douter que c'est l'œil de la NASA, on ne me trompe pas. Le truc de VIH, là, on recule. On recule. C'est téléchargé. Après, je vais poster. Hein. Elle a téléchargé un truc sur Google. Elle a téléchargé un truc sur Google. Joanie la fake. Pas Joanie la vraie go. Et regardez, c'est là. C'est le même truc, je vais mettre ça sur ma page. Hein. Elle a téléchargé un truc sur Google. Imaginez-vous que je me lançais un exemple. Je me lançais parce que la personne, quand elle envoie ça, elle dit, Boupenza m'a violé. Boupenza a le sida. Elle envoie la vidéo. Si je n'avais pas la sagesse de Salomon, j'allais venir allumer mon téléphone et dire, oui, j'ai le test du VIH de Boupenza. Boupenza a le sida. Boupenza a le sida. C'est ça, en fait, qu'elle voulait emmener ça là-bas. Vous-même, vous voyez, hein, c'est devant vous. Hein. C'est devant vous. Hein. Je ne parle pas à gauche, à droite. C'est devant vous. La personne, regardez la personne mal intentionnée qui télécharge sur Internet. Elle prend le nom de la copine de Boupenza. Ça, c'est le test. Tous les gars, vous tous, vous avez ça. Je vais mettre ça. Les gens qui ont eu, que ce n'est pas les joueurs de l'équipe nationale ou toutes les personnes qui ont eu la vidéo là. Il y a le test là qui est là. Et il y a ça qu'elle envoie. Et voilà, Joanie. Elle usurpe l'identité. Elle dit, Boupenza l'a violé. Donc, elle considère Boupenza comme un violeur. Elle dit, elle va nuire à sa vie. Elle envoie un faux test de VIH qui a été téléchargé sur Internet. Et elle dit, elle va nuire à sa carrière. Et elle se fait passer parce que tout le monde dit, Joanie, Joanie, la vraie Joanie, c'est celle-là. Et Joanie, là, ce n'est pas elle qui a l'origine de ça. Joanie, là, ça, c'est la vraie Joanie. La personne qui a l'origine du désordre, là, c'est Joanie là qui a tout volé. Voilà, il faut qu'on soit clair. La pauvre Joanie n'est pour rien dans l'histoire là. C'est une petite qui a été founzou par Boupenza qui s'embrouille jusqu'à venir dire que Boupenza, le ex, sortir les oui comme ça, un truc téléchargé sur Internet. Vous voyez, c'est téléchargé. Qu'on veut nuire à la carrière de quelqu'un. Même si Boupenza, je l'aime niqué avec les choix de Capello, mais je n'aime pas l'injustice en fait. Ça, c'est le vampire. Jusqu'à créer, elle allait prendre tous les gars, vous qui avez le truc de test, c'est ça qui est là, je vais publier ça. Elle envoyait ça à tout le monde, piocher un truc sur Internet, c'est méchant. On continue. Salem, veux-tu rejoindre notre groupe pour faire en sorte qu'il quitte sa go officielle? Il fait, quoi, il y a trop de fautes, hein. Il fait croire à nous toutes qui sont en couple. Qui sont en couple avec nous alors que c'est faux. C'est cette go, cette Ismée de Paris. Ça parle de Joanie, la vraie. Cette Ismée de Paris, cette pétache, je la déteste. Les filles veulent arrêter, mais moi, je veux me venger. Elle a la vie avec lui que je voulais. Tout le monde me dit de laisser tomber, mais je ne veux pas. Il m'a brisé. Il m'a fait croire des choses fausses. Il connaît même pas ma mère, ce fils de pute. Je veux qu'elle et lui ne soient plus ensemble. Là, elle est avec lui aux États-Unis. Elle est avec lui partout. Depuis des années, il la met quoi? Ah, mais trop de fautes. Ah, trop de fautes. Tu veux lire, tu as trop de fautes. Trop bête, même les enfants là. Crivez avec trop de fautes comme ça là. Oh, même le bac à 12 là, vous écrivez encore les fautes comme ça, les fautes, les fautes. Toi, les fautes dans ton histoire là, tu nous rendais même bêtes. La beauté, c'est seulement pas dans les fesses. Hein. Alors, trop de fautes comme ça là, trop de fautes. Je vais publier les fautes là, parce que quand je dis ça, ça me donne les mots de tête. Salem, envoie ça à Aaron, que même si sa meuf dissout notre équipe avec Chai et tout, on va en reconstruire d'autres. Et que j'espère que, quoi, qu'il profite bien de sa meuf, Joanie. Joanie là, car. Il ne la reverra plus. On va quoi? On vient encore de lui envoyer. Il était quoi? Ah, on croit quoi? Ottawa. Trop de fautes. Je ne peux pas aller. Je vais publier ça. Quand on est belle, les fautes, vous avez trop de fautes. Vous allez me rendre bête comme vous quand je dis, mais vous connaissez là. Voilà les. Voilà. Là, on va en question. Maman, je vais remonter vers toi après. Elle fait partie des personnes. Je vais publier ça tout ça après. Ne vous inquiétez pas. Voilà toutes les personnes qui écrivent
à la petite Giovanni la vraie. Donc, je parle avec Giovanni la vraie. Voilà. Giovanni la vraie. Pas Giovanni qui se sert du nom de Giovanni pour nuire. Pour nuire. Vas-y. Toutes les personnes là écrivent. Tu seras enfin à moi. Ok. On jettera ton chien. Parce que Giovanni, elle a un caliche. La petite Giovanni. Oh, la petite là. Elle a un caliche. Dans la France. La vraie Giovanni. Hein. Elle a un caliche. Elle ici en France, on big avec un caniche. On va jeter ton caniche. Giovanni va die. Manana nani. Manana nana. Tago va crever. Ça, c'est toutes les personnes hein, qui viennent s'ajouter pour nuire. On sent l'écho du goumin. L'écho du goumin. L'écho du goumin. Les ajouts. Hein. L'écho du goumin, tic-tac. Et machin, ta carrière sera finie. Dégage du Gabon tocard. Ouais, l'écho du goumin. L'écho du goumin. Comme ça. Là, elles sont en train d'harceler Giovanni là-bas. Hein. Avec, voilà. Et vrai homme, dégage du Gabon tocard. Tago va crever. On va bien achever Tago, chien. Ça, c'est toutes les personnes là qui sont en mode. Voilà, ça, la liste, 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 la liste. Donc, c'est monté là parce que moi, après là, je dois aller dans mon bruit. Je dois aller dans mon bruit tout à l'heure là. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Parce que ce soir, maman, je t'ai retracé. Oh, qui m'appelle là? C'est quoi ce délire là? Non, non, pour l'instant, je n'ai pas envie de parler. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous avez vu la vidéo. Je vais vous expliquer maintenant la vidéo. Aïe, 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 aïe. Vous pensez à mon petit. Avant d'expliquer la vidéo, je te donne un conseil, petit. On ne fout pas. Ça bite partout, n'importe comment. Voilà comment tes prouesses sexuelles sont en train de venir te bousiller, toi, et vouloir empiéter ton avenir footballistique. Bêtement, petit frère. Bêtement, tu es en train de tout bousiller. Je dis, bon, selon les retours de Boupenza, parce que forcément, j'appelle toujours, comme j'ai eu à parler avec Giovanni. La vraie Giovanni, hein, pas la fake. La vraie Giovanni. Sago Tisbé, qui a le caniche. Tous les gars qui connaissent Boupenza, l'équipe nationale, connaissent la Bola. Avec 1 million caniches. Les caniches, les vrais caniches qui coûtent même des 4 000 euros. Les millions petits caniches. Elle a un petit caniche là. La vraie Giovanni. Pas la fake qui envoie les messages à n'importe qui là. La vraie Giovanni. J'ai parlé avec elle. J'ai eu à parler avec Boupenza. Dans la vidéo, digne d'un film de Dorcel TV que vous avez là. L'argot qui est dans la vidéo là, ce n'est pas la peine de la chercher au Gabon. Ce n'est pas la peine de la chercher au Gabon. Elle n'est pas au Gabon. C'est une stétoise. C'est une stétoise. Voilà. L'argot qui, Nyamalontot, il est en train de fonzo là. La première vidéo, là où il y a Nyamalontot, après, il fonzo à balle réelle. C'est une stétoise. C'est une joueuse. C'est voilà. Quand vous écoutez même pas un peu la vidéo, tu peux attendre. I'm coming. C'est là. La bonne petite vidéo, tu peux entendre. I'm coming. Ça. Il y a deux vidéos. Il y a la vidéo, là, je sais. Si tu es un habitué aux niches, tu peux écouter. Il y a une partie, pardon, il y a une partie où elle dit. I'm coming. Tu sens que là, ça, la partie là. La partie de la déo là, ça c'est une joueuse. Donc, elle n'est pas au Gabon. Pas la peine, je vois les pages là, balancées, les machins. Non, 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 non. C'est une joueuse. Et là, c'est Boupenza, lui-même qui m'a envoyé ça. Papa, c'est une joueuse. Rappelez bien, qui la taille. Parce que j'ai la vidéo jusqu'à Amelcom. Les Gabon m'a fait, papa, je viens, chérie, je suis là. Aïe, oui, ouais, aïe, oh, baisse-moi. Vous avez entendu baisse-moi dans la vidéo là? Vous avez la vidéo, vous avez dit, baisse-moi, aïe, j'ai mal. Vous n'avez pas entendu ça. Oh. Quand j'écoute, c'est I'm coming. Donc, hey, doucement. Calmez-vous d'abord dans les histoires là. Calmez-vous dans vos conneries là. Donc, c'est une go. Là, c'est pour penser à lui-même. Au steak, dans son gnon-gnon, il a taillé sa US, il est venu dans Bonja. Donc, quand il est venu dans Bonja, lui-même, ça, c'est un truc qui est clair, net et précis. Parce que je ne blague pas avec. Nous tous, dans nos téléphones, on a des oui. Et là, je suis très sérieux maintenant quand je parle. Nous tous, dans nos téléphones, nous avons des oui.
Et c'est la première chose que j'ai demandé à vous, Penza. Et à vous, Penza, est-ce que la vidéo, qu'elle soit US ou pas, a été filmée avec le consentement de la meuf? C'est la première chose. Parce que si tu filmes, tu prends une fille au dépourvu sans son consentement, là, c'est grave. Est-ce que lui-même, il m'a confirmé que c'était avec le consentement de la meuf? Je suis en train de vous retraduire les propos d'Aaron. C'était avec le consentement de la meuf. C'était aux États-Unis. C'est une Américaine. Il sortait de ses bails. Il est rentré avec la meuf. Il a fait ces choses. J'ai posé la question à Boupenza. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, il y a des go. Oh, Boupenza, les femmes vont te tuer, mon petit. Ah. Il y a des go tellement dans ses prouesses sexuelles. C'est ça. Ça a rattrapé le petit. Dans ses prouesses sexuelles, il y a les go qui ont eu à prendre son col et qui ont eu à cloner son iCloud. Et même Joanie, la vraie Joanie, m'a expliqué que depuis, il y a des meufs, en fait, vu que depuis qu'il est avec Joanie, là, toutes les meufs du bled, là, se mettent à envoyer les way. En fait, Joanie la dérange, la go qui a le caniche, là. Joanie qui a le caniche, ça dérange. Donc, il y a des go qui sont maintenant là en mode, ça sort les way, et Boupenza, Boupenza, Boupenza. Eh, petit. Petit. Là, maintenant, je vais te parler comme un grand, en fait. Je suis désolé, hein. Ça fait mal là-bas. Pourquoi? Nous tous, nous avons des nudes. Hein. On n'est pas plus de 4000 personnes. Nul n'est parfait. Toi qui écris là, tu parles. Si on prend ton téléphone, ton gros con est ouvert là-bas. Ton gros con est ouvert dans ton téléphone. On prend ton téléphone là. On voit, tu dames la masto que tu envoies les gros dans ton téléphone. Il y a ça dans ton téléphone. Tu prends des salades, tu mets, bim. Faire ça dans vos téléphones. Donc arrêtez. Arrêtez de faire les choses que vous voulez faire là. Mais là où c'est grave, Aaron, et ça c'est. Tu as chié. Tu as chié parce que tu as eu à filmer ton visage. Quand on vous demande de faire les choses sans filmer les visages, tu as eu à filmer ton visage. Et c'est là où c'est très dangereux dans l'histoire là. Parce que tu n'es pas, si c'était un djengle, un djengle, un pépélé, pélé, on ne devait pas parler. Mais c'est Aaron. Tu es notre soldat de la dernière canne. Si tu te négliges, le peuple gabonais ne te néglige pas. Ou Penza n'était pas hors jeu. Tu es là, tu es. Heureusement que c'est même une gamme. Heureusement que c'est une gamme petite. Ça prouve que je vous ai délivré. Ça prouve que je vous ai délivré de l'esprit de Capello. Ça prouve. Ça prouve que je vous ai délivré de l'esprit de Capello. Ça, c'est une preuve formelle que je vous ai délivré de l'esprit de Capello. Oui. Là, je peux le dire. Oui, je peux le dire. Parce qu'on sait ce qui se passe avec Capello. Je vous ai délivré. Monsieur le prophète, je vous ai délivré. Je vous ai délivré de l'esprit de Capello. Voilà. Donc, quand je te vois, tu tailles un gars, tu fais les voix à un gars. Hé, petit, je vous ai délivré de l'esprit de Capello. Hé, hey, je vous ai délivré de l'esprit de Capello. Je sens ça que je vous ai délivré de l'esprit de Capello. Mais petit, là, tu as chié parce que tu as fumé ton visage. Parce que c'est toute une nation que tu représentes. Et là, c'est pas que toi, parce que si on parle avec tous les joueurs de l'équipe nationale, l'alcool, je vais même dire sociétairie, dorénavant, avant et après les matchs, vous ne buvez plus le vin. On vous rencontre au bar, même la population gabonaise vous bastille. Vous tous. On vous rencontre au bar, avant ou après le match, on vous filme. Vous venez voir que quand vous allez gagner. Ben, c'est parce que vous avez l'alcool et les femmes, les petits là. Je ne sais pas. Ce que vous avez avec, je ne sais pas, petit. Tu filmes ton visage, tu as trop le goût de te voir, petit. Tu es le premier caveur, Cavani. Cavani. Tu es le premier caveur. Tu veux nous montrer quoi, nous, les mangeurs de toi. Tu veux nous montrer quoi, c'est toi, Cavani. Cavani. C'est comment?
tes détracteurs, parce que tu es humain. Tu es humain. Demain, ça peut être ma vidéo qui fuit comme ça. Demain, ça peut être ma vidéo qui fuit comme ça. Nous ne sommes pas parfaits dans cette histoire. Nous ne sommes pas parfaits dans cette histoire. Mais le problème, c'est que tu es l'emblème national. Doit-on te juger parce que tu as eu à faire une vidéo? Je laisse les Gabonais en juger. Doit-on emmener ça comme si c'était un drame national? Entre temps, tu es un humain. Je laisse les Gabonais en juger. Mais ce que je retiens de cette histoire, c'est que ta chérie Joanie, qui est à côté de toi, se fait harceler. C'est que toi aussi, Boufenza, tu te fais harceler dans les messages. Il y a des personnes qui cherchent à te nuire. C'est ça qui est la vérité. C'est ça votre vampire dans votre équipe nationale là, et dans ton entourage. C'est la même chose que j'ai eu à dire à Ibrahim Dong, que je te redis aujourd'hui devant tous les Gabonais. Tous les amis que vous tournez avec là, vous partez en boîte, vous êtes 100, vous partez machin, vous êtes 10 000, tu payes le 20, tu payes le machin, tu pars au cabana, tu avais 6 millions, tu vas péter. Petit, c'est vos mêmes amis là, c'est vos mêmes gens là qui vont te faire du mal demain. Je ne suis pas là pour juger Boupenza. Je ne suis pas là pour le juger là. Je ne suis pas là pour le juger. Oui, la nation, il a l'image de la nation. Mais je ne suis pas pour le juger. Parce que même dans mon col, il y a des choses bizarres dedans. Dans ton téléphone, il y a des choses bizarres dedans. Jésus a dit quoi? Celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Quand on a voulu lapider la prostituée, il a dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Ainsi que celui qui n'a jamais eu de nul dans son téléphone, jette la pierre à Boupenza. On est là. Et je vois des personnes dans leur téléphone, des personnes encore qui sont même plus diaboliques que j'ai dans le tambour ouvert, que je ne veux pas ouvrir, hein, qui sont là. Et c'est là qu'il est grand tenté de juger Boupenza. Au moins, il est avec Gunga. Il est avec Gunga. Ok, il a mal fait de se filmer. Ok, c'est pas bon, c'est pas top. Mais au moins, il est avec Gunga. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vienne maintenant? Un verbe, comme si Boupenza était devenu quoi? Une trahison nationale? Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vienne maintenant? Mais maintenant, si on met une pression, le pauvre Boupenza va se suicider. Vous allez dire quoi? Vous êtes là où parler, mais heureusement que la pauvre fille criait I'm coming. Elle n'est pas gabonaise. Heureusement qu'elle n'est pas gabonaise. Elle est sétoise. Donc votre vampire là ne va même pas la toucher. Amélie, come. Tu as la trouvée où? Tu es là-bas où? Elle n'est pas Boma. Amélie, come. Heureusement que c'est une US. Si elle était gabonaise là, vous allez faire quoi? La pauvre fille, mettre la pression et la pauvre fille, elle est peut-être taille. Elle, elle est taille. Vous allez dire quoi? Boupenza. Et avec tous les. En fait, et toi, et tous les joueurs de l'équipe nationale, et tous les Gabonais, arrêtez de vous filmer quand vous faites vos choses. Non, elle n'est pas gabonaise. Elle n'est pas gabonaise. Elle dit elle est gabonaise. Elle a qu'à venir faire la vidéo pour dire je suis gabonaise. Elle monte son dos. Elle est nullement gabonaise. Amenez-moi les informations du bar. C'est pas moi que vous avez mis les informations du bar. Elle n'est pas gabonaise. Comme vous connaissez là, c'est pas moi. Maintenant, toi qui dis qu'elle est gabonaise, elle a qu'à venir dire, elle prend la vidéo, c'est clair, non? C'est moi, la go, le tatouage le plus emblématique du Gabon, le plus recherché, là. Je suis gabonaise, elle montre. Elle montre. Donc, elle n'est pas gabonaise. Elle doit embêter les gens. Là, maintenant, tout ce monde-là, ouais, celui qui n'a pas de nul, jette la première pierre. Et Boupenza, je te dis ça bien, hein? À part pour deux choses. Ben si c'est pour divulguer ta sexualité, si c'est pour t'attaquer, comment ils ont les gens sont en train de rire, le tour là, tu as mon soutien. Le tour là, tu as mon soutien, parce que je ne peux pas tolérer ça, parce que mon téléphone peut se perdre demain. Demain, je peux être là, ton téléphone peut se perdre. Tu as fait ça avec une gars, je vous ai délivré de la West Coast. Et ça, c'est bien. Là, pour moi, c'est bien. C'est un travail, je vous ai délivré de la West Coast, de la West Comania. Donc, il faut vous calmer dans l'histoire là. Nous ne sommes pas là, ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame national.
n'est pas un drame national. Donc arrêtez sans tombe en 2024. J'ai aussi prophétisé pour vos vies. Je vais délivrer les gens à West Coast. Je vais prophétiser pour vos vies. Je vais vous délivrer des esprits bizarres que vous avez là-bas. Aïe, 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 cavale, cavale. Allez, moi le go, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais faire mes choses dans la France. On est ensemble.